Comme si l'absence de son cher et tendre, l'acteur et réalisateur Jalil Lesper ne suffisait pas, Laetitia Hallyday, la veuve de l'idole des jeunes, doit aussi gérer les effets dévastateurs de sa maladie. Après un an et demi d'amour, Laetitia Hallyday vit un conte de fées. Contrairement à ce que pensent les fans, Johnny est toujours dans un coin de sa tête. Le taulier occupe une place de choix dans son cœur. Or, dès octobre 2020, Jalil Lesper réussit l'exploit de recoller les morceaux de son âme brisée. À la base, ces deux-là échangeaient sur un documentaire sur l'idole des jeunes. Très vite, Cupidon transforme cette belle amitié en amour. Après avoir pris conscience qu'elle ne pouvait plus vivre sans lui, elle va prendre les choses en main. Vente de la maison, remboursement des dents, tout est fait pour écrire un nouveau chapitre à son histoire. Hélas, le 24 mars 2022, tout va s'écrouler. Pour une fois, ce n'est pas l'un des variants du Covid qui va démolir son précieux équilibre. Hospitalisé à Montpellier, les experts tirent la sonnette d'alarme. Toujours bien informés, nos confrères de Closer révèlent le diagnostic. Derrière ces multiples crises de douleur se cache une arthrite goutteuse chronique. Avant de quitter la France, Laetitia Hallyday prend soin de faire des provisions de son traitement. Et oui, à Los Angeles, ce n'est pas forcément évident de trouver les bons médicaments. Du reste, on l'a prévenu que le temps de s'adapter aux molécules, elle risquait de déguster. La mère de Jade n'est pas du tout au bout de ses peines. Dire qu'en réglant le tsunami judiciaire lié à l'héritage de Johnny, elle pensait naïvement que le stress était derrière elle. C'est l'inverse qui se produit tant ce n'est que les prémices d'un engrenage sans précédent. Entre deux comprimés, Laetitia Hallyday doit revoir sa copie. Quand elle était jeune, elle a déjà des soucis. D'ailleurs, en coulisses, on murmure qu'elle n'a jamais pu tomber enceinte à cause de son anorexie. Or, la pathologie détectée est incompatible avec des ingrédients qui possèdent des purines. Après enquête, on découvre qu'il s'agit de certaines pièces de boucher ou de quelques habitants de la mer. D'autre part, lors de ses nombreuses soirées dans la Cité des Anges, elle devra faire l'impasse sur les boissons pour adultes. Comment faire pour édulcorer son existence? Depuis la rentrée dernière, le fils de Jalil Lesper les a rejoints. Elle qui avait l'habitude de gérer entre femmes, se retrouve avec deux hommes à la maison. D'ailleurs, vu que Jade et Joy ont bien grandi, elles ont du mal à accepter ce petit nouveau. Pour les parents, ce n'est pas toujours évident de faire face au désir de trois ados. Souhaitant partir en vacances sur Paris sans sa mère Laetitia Hallyday et tant qu'à faire sans que sa cadette lui traîne dans les pattes, elle avait fait la tournée des nightclubs. Ces derniers jours, Laetitia Hallyday est à bout de nerfs. En effet, son cher et tendre Jalil Lesper est en France. Sans elle. Pourquoi a-t-il imposé une telle distance, que les fans se rassurent, il a un argument solide. Venu faire la promotion d'un film au Festival de Cannes, il en profite pour se ressourcer sur la croisette. Tandis que sa belle souffre le martyre et tente de faire face, lui, il mène la Dolce Vita.